attaque est atterrante de Séverine Tessier, la présidente d'Anticor, l'association contre la corruption et pour l'éthique en politique, a signé des chartes avec plusieurs villes de la région, notamment Montpellier, Perpignan et Carcassonne. Elle s'exprime sur cette nouvelle affaire. Question, cette démission est-elle finalement le signe qu'il y a plus de transparence? La réponse de Séverine Tessier. Il y a un progrès dans la transparence, mais il y a une insuffisance de contrôle et de prévention. C'est vraiment tout l'enjeu pour Anticor cette année, à travers notre feuille de route, de renforcer les moyens de contrôle et de prévention des abus de pouvoir, des conflits d'intérêts. Et c'est pour ça aussi que nous devons renforcer la formation des élus et des citoyens pour empêcher ce genre de situation.